Kodja qui va essayer de rentrer dans la surface de réparation. Attention, Kodja, oh, oui. Il est rentré, il va pouvoir peut-être centrer. Et le but, l'ouverture du score pour le Stade Malherbe de Caen par Mathieu Duhamel sur un exploit de Kodja. Mathieu Duhamel, on l'attend finisseur, c'est ce qu'on lui demande donc cette année. Et donc Mathieu Duhamel qui ouvre le score sur un exploit de Kodja. Sur son côté, qui a effacé deux défenseurs, qui a redonné à Mathieu Duhamel, qui d'une reprise de volée a planté la banderille dans le but du gardien Dijonais. On part Mathieu Duhamel sur une superbe combinaison avec Kodja. Attention à cette... Oh le but ! Oh là là ! Oh le but ! Oh, le... Magnifique égalisation de Dijon, là. Superbe but avec Gerber qui d'une frappe totalement enveloppée égalise donc pour l'équipe Dijonais. C'est un petit peu logique, hein, par rapport à ce que l'on vivait depuis une dizaine de minutes. Si ce n'est un ballon peut-être bien placé pour une tête, hein, d'un attaquant ou d'un joueur canet, qui soit défenseur aussi, on est preneur. Attention avec... Et le but ! Et le but ! Deuxième but pour le Stade Malherbe de Caen ! Et vous savez de qui ? De C'est sans doute pour mieux placer les comptes. Le jeune Kanté, là. Kanté, belle ouverture avec Kodja qui va se présenter face au gardien. Et troisième but pour le Stade Malherbe de Caen avec Mister Kodja qui sera sans doute l'une des stars de cette équipe canaise. Tout en puissance, Kodja qui fait